Monsieur le Président, chers collègues, la collecte des déchets, compétence historique de Couillon, constitue un élément essentiel du cadre de vie de nos habitants. Dans nos communes, nous sommes d'ailleurs régulièrement interpellés à ce sujet, surtout lorsque les déchets sont constatés. Cela représente un volume financier considérable, avec un montant global de l'ordre de 83 millions d'euros pour les sous-collègues et plus de 142 millions d'euros en intégrant le coût des traitements de déchets. Plus largement, la gestion des déchets est aussi un enjeu majeur au regard des impacts environnementaux et sanitaires. Notre territoire, en effet, la quantité annuelle de déchets ménagers et assimilés collectés s'élève à 402 kg par habitant, dont 48 kg de collecte sélective et par 20 kg de verre. Sur le problème de la collecte des déchets, nous devons donc être très attentifs. Dans un contexte financier contraint, le service que nous apportons à nos concitoyens doit être constamment questionné afin d'en améliorer la qualité, mais aussi pour atteindre les objectifs de performance que nous faisons ici. L'arrivée à échéance du actuel marché nous offre l'occasion de traiter sur les 26 francs afin de mettre en œuvre le projet Nouveau Cadre des collectes, dont l'objectif est la mise en place en mai 2017 d'une nouvelle organisation de la collecte sur l'ensemble du territoire. L'un des points de satisfaction pour notre groupe, la nouvelle organisation du travail avec la fin du fini parti. Dans les faits, ce mode de fonctionnement crée un problème de santé au travail, de qualité de service. Les agents concernés avaient en effet tendance à rouler un peu trop vite et à exécuter des gestes douteux, s'exposant ainsi à des risques d'accident. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si la Caisse nationale d'assurance maladie a recommandé dès 2008 de mettre, je cite, tout en œuvre pour supprimer cette pratique. En CHSTC de notre métropole, les organisations syndicales ont d'ailleurs majoritairement exprimé leur accord pour la fin de l'année, pour viser l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et de qualité de service. Sur la question de la qualité de service, les améliorations sont en attente avec la réalisation de la qualité des charges plus excellente. Les mesures prévues dans le nouveau marché auront des effets positifs, comme la présence en volée de deux rivers en milieu dense, modification des horaires de collecte du travail à 8 heures, la collecte des silos au lieu de 7 heures, et les derniers bacs collectés à 13h30 au lieu de 13h30, le maintien des collectes sélectives des employés, et encore le ramassage des déchets pour les silos en cours de collecte de l'entreprise. Du côté de la régie, la réorganisation de la collecte, en lien avec Fiti Parti, s'organisera autour d'un retravail des circuits et des risques qui permettra une amélioration de la qualité et de la réalisation des actes. Bon remisage des mains, ne pas de déchets au sol, réponse au budget des habitants. Du point de vue de la qualité de l'air, un taux d'exécution plus important en éducation, mais également dans les chances. Le groupe se donc favorablement sur la. Je vous remercie de votre attention.